et on analyse nos vies pendant quelques instants. J'ai un mot de Dieu pour toi ce soir, sans prétention. Ça brûle dans mon cœur. Et je disais à ma femme hier dans la nuit, j'étais réveillé, je faisais les 100 pas dans le camping de ma vie. Tu dis, fou. Je dis, j'ai le mot de Dieu pour l'église. J'étais confiant, j'avais une assurance sur moi parce que j'avais reçu un mot pour l'église. Et j'aimerais le partager avec eux. Une liberté de l'esprit de Dieu. J'ai pas un message de théologie. Je suis pas venu vous apporter une note que vous ne connaissez pas. Non. Ce que l'église a besoin aujourd'hui, c'est une démonstration de l'esprit. Jésus n'a pas changé. Il guérit les malades. Jésus n'a pas changé. Il délivre les drogués. Jésus n'a pas changé. Il délivre les alcooliques. Jésus n'a pas changé. Il guérit celui qui est malade, qui est condamné par la médecine. Son nom à lui est le grand professeur. Son nom n'a pas changé. Fermez vos yeux avec nous. Priez le Seigneur s'il faut. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux s'ils l'ont rapporté. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ma prière. Des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé.
J'entends ses pas. Quelle différence une réunion comme lui, il est là.